Coucou tout le monde, j'ai vu que ma vidéo sur Ultimate Epic Battle Simulator se déroule très bien, donc je me suis dit que vu que ça vous plaît, on va faire une petite vidéo pour se marrer. Je vais donc préparer une bataille avec plusieurs équipes, et je vais vous laisser voter sur l'équipe gagnante. Donc il va y avoir 5 équipes, et bien au final, les joueurs qui ont choisi l'équipe qui sera survivante va gagner une clé chacun, donc du jeu de leur choix sur mon site. Le site est dans la description, sur le côté droit vous avez donc une liste de tous les jeux qu'il y a dessus. Il y a 500 jeux pour 1500 clés, donc vous pouvez vraiment... probablement trouver quelque chose qui vous plaît. Assurez-vous bien de bien mettre votre adresse email dans le formulaire Google qui est également dans la description, donc vous allez choisir dedans, mettez votre email. Si l'email est erroné, on va pas vous courir après les gars car il va y avoir beaucoup de votes, donc faites attention quand vous le remplissez. Alors regardons un petit peu, on va prendre cet endroit là parce que bon, je l'aime bien. J'ai commencé à préparer un petit peu, donc vous allez avoir plusieurs équipes et cette fois-ci je vais mettre parfois plusieurs armées en même temps. Donc au milieu on a l'équipe médiévale, donc l'équipe médiévale est faite de chevaliers lourds d'archers. D'ailleurs je vais augmenter le nombre d'archers, je vais en mettre 1000 parce qu'ils sont au milieu, donc c'est quand même le plus dangereux pour eux, et je vais mettre 6000 chevaliers lourds. Ok, les archers je vais vous monter un petit peu là-haut et on va mettre les galours ici, parfait. Donc là il y a 7000 d'équipe dans l'équipe médiévale. J'en mets un petit peu plus de ces gars. Là, la raison est qu'il va être attaqué peut-être un petit peu de tous les côtés. Voilà. Alors, donc l'équipe 2 va être faite de Romains qui sont là-bas. Il y en a 6000. Ouh, il y en a beaucoup d'ailleurs. Et il y a 2000 gars de l'ancienne Grèce. Alors, on va 2000 Spartans. D'ailleurs, les Spartans... Hop, voilà. On va les mettre en plus long. Non, peut-être pas. On va mettre 2. Voilà. Ok, ils sont là. Ils sont dans la même équipe à partir de maintenant. Voilà, l'équipe 2... C'est l'ancienne Grèce, ils sont là. Ensuite, continuons, nous avons l'équipe fantasy. Bon, on va les mettre dans l'équipe 3. Voilà, les voici. On a 500 ogres lourds et 5000 normaux. Ok, ils sont là-bas, ils vont venir vers là, ils vont attaquer là. Alors, j'ai peut-être pas mis assez. Bah, pas grave, c'est comme ça, j'ai décidé du nombre. Ensuite, continuons. Nous avons l'équipe qui va être l'équipe 4. Ça va être l'équipe... Evil, des zombies, 10 000 zombies qui sont là. Oh purée, ils vont souffrir. Hein. Ils vont souffrir. Alors après, pas sûr qu'ils attaquent tous là, ils vont peut-être se brancher. Ok. Et puis les zombies sont pas costauds. Et l'équipe 5, ça va être l'équipe animale qui va être faite de poulets. 5432 poulets qui vont être ici. Qui vont sûrement se taper les Spartans. Ok, sur le pont. La bataille épique sur le pont. Voilà, donc là je vous ai présenté l'équipe de gagnants, j'espère. Il y a un gagnant dedans. On verra qui c'est. Je mets pas Chuck Norris parce qu'il est trop bon, il va tout péter. Et donc voilà, donc vous avez juste à aller sur le formulaire. Vous avez jusqu'à samedi à 17h à la fin donc, de mon live pour choisir le gagnant de votre préférence. Hein, donc voilà, et pour voter. À 17h, je ferme les votes. Et on va passer le samedi soir à l'étrier et voir un petit peu les gagnants. Voilà. Et la vidéo finale qui montrera la bataille sera le dimanche, comme d'habitude, donc vers midi. Voilà. Je vous rappelle que les samedis et dimanches, à 15h jusqu'à 17h, 18h, j'ai des lives où on découvre des jeux ensemble et on s'amuse en général sur des jeux de gestion. Voilà. Merci à vous. Les votes sont lancés. Bonne chance, les gars. Et à bientôt.